à vous, Daniel Morin. Moi, vous le savez, j'adore les membres de cette équipe, mais désolé, les amis. Il y en a qui jouent pas le jeu. Eva, Eva, tu nous parles de quoi ce matin? De À la joie sur Arte, comédie romantique pendant le Covid. Non mais allô, coucou hibou, hein. Tu nous proposes ça alors, ça fait une semaine que tu me bassines avec un programme qui sort aujourd'hui sur Netflix. Oh Morin pétard, je suis excité comme un anchois qui prend dans la drogue. J'ai tellement hâte d'être à mercredi pour parler d'un programme génial sur Netflix. C'est quoi? Une série sur la vie à Rocco Siffredi. Ah bon, c'est bien? C'est plus que bien, c'est émouvant et délicat à la fois. Tu comprends tout de la psychologie de l'homme derrière le comédien. Tu comprends qu'il a des démarches citoyennes quand il tourne ses films. Il n'est pas vicieux, il est pédagogue. C'est un moment de grâce, un vrai. Donc tu vas conseiller ça pas comme programme? J'ai envie, mais je suis pas sûr à 100% à cause de Mathilde Munoz. Elle vient de Châteauroux et là-bas, on dit que les filles, elles sont prudes. Comment ça, prudes? Bon, tu vois, moi? Oui. Eh bien, elle, c'est le contraire. Bon, ben, finalement... Je confirme. Merci, Mathilde. Il n'y a que la vérité ici. Hein. Bon, finalement, on va regarder Arte, hein. Ça sera plus simple. Dans l'actu, je lisais hier un article qui parlait de l'explosion des coffee shops dans les grandes villes. Ces lieux, on peut boire un café, mais pas que. Certains proposent en plus du café, coin librairie, fleuriste, coiffeur, je vois pas à quoi ça sert. Excellente idée. Un peu fourre-tout, mais fort pratique. Et le plus souvent, il y a de la musique géniale. Alors certains vont y aller à fond, c'est sûr. Vous êtes une personne qui n'a pas de temps à perdre, alors rendez-vous chez Bob Coffee Plus. Non seulement chez Bob Coffee Plus, vous pourrez déguster un délicieux café, mais en plus, vous aurez accès à plein de services. Bob! Oui, Jennifer. J'ai la frange qui tombe dans mon expresso, c'est possible une petite coupe rapide? Mais bien sûr, passez dans le salon, Miranda va vous faire ça. Bob! Oui, Jennifer. J'ai mangé 12 donuts, je culpabilise, y a moyen de faire du sport pendant que Miranda me coupe la frange? Bien sûr, Jennifer. Thiago, notre coach brésilien, va vous faire un cours d'abdos-fessiers pendant le brushing. Bob! Oui, Jennifer, y a un problème? Pas du tout, je me disais que pendant le brushing et le cours d'abdos, je changerais bien de voiture. C'est possible d'obtenir un prêt? Mais évidemment, Miranda. Notre coiffeuse est aussi conseillère chez CTLM, elle va vous arranger ça. Bob! Oui? J'adore Thiago, il est vraiment super comme coach. En plus, il est hyper beau. C'est possible de l'épouser tout de suite avec une autre cliente de shop? Sans problème, Jennifer, j'appelle tout de suite Barnabé, le barman. Pourquoi le barman? Barnabé, barman, mais prêtre, il va vous marier immédiatement. Pas mal. Pas mal. Et peut-être que nous, on devrait s'y mettre. France Inter, Nicolas Demorand, le 7-10. France Inter, 7h, bienvenue dans la matinale, le Nico Morning Coffee Shop. La radio plus les services à la carte, c'est ça le Nico Morning Coffee Shop. Pendant ton petit-déj, entre les interviews folles et la playlist de ma boule de mes deux complices, Sonia et Aline, que j'appelle avec amour Boule et Bill, tu t'éclates, mais tu en veux plus. Tu veux tout savoir de l'économie, pas de problème. Grâce à notre partenariat avec La Poste, on t'envoie en Colissimo Dominique Seux, qui te parlera des bienfaits de la mondialisation. Tu es friand de politique, un simple coup de fil, et notre deuxième partenaire, Pizza Hut, te livre en moins de 5 minutes, Yael Gauss, plus 3 muffins. Tu as kiffé un des invités de ce matin, des 7h05, un courtier vient te livrer chez toi, Yael Braun-Pivet ou Fanny Ardant. Réserve tout de suite au 01 45 24 7000.